On se trouve ici devant le chantier de l'ENSAE Paris Tech. Nos locaux actuels sont situés à Malakoff. Et donc, nous allons déménager dans un an sur le plateau de Saclay. Ce bâtiment, il nous permettra d'accueillir davantage d'étudiants, environ 700-800 étudiants, contre 500 actuellement, des enseignants-chercheurs, et donc d'être au sein du plateau de Saclay, un pôle pour l'économie, la sociologie, les sciences sociales et les sciences des données. L'origine du projet, c'est un concours d'architecture qui a eu lieu en 2011. Donc avec mes associés, Bita Azimi et Marc Bottineau, nous avons gagné ce concours. C'est un bâtiment qui fait 16 000 m², donc sur un rez-de-chaussée 4 niveaux. Donc c'était à la fois de créer un petit vide clos d'un cloître, c'est d'ailleurs ce qui plaît beaucoup aux chercheurs, et puis d'avoir un bâtiment aussi qui s'ouvre totalement sur le paysage, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, toutes les façades sont vitrées à 100%. Nous, ce qui nous intéressait, donc, c'était à la fois de mettre en dialogue le bâtiment par sa structure, qui est une exostructure métallique, en résonance avec les arbres, avec le bois, avec les troncs, avec la nature, et puis aussi donc de rendre ce bâtiment extrêmement flexible, c'est-à-dire aussi de penser à peut-être dans une vingtaine d'années ou avant ou plus tard, que ce bâtiment pourrait se transformer. Paris-Saclay, c'est pour nous un espace de partenariat quasiment sans équivalent en France. Le déménagement va clairement nous permettre de nous rapprocher de nos partenaires, que sont l'École Polytechnique, HEC, l'École Normale Supérieure de Cachan, l'Université Paris-Sud, et les organismes de recherche, les autres établissements qui sont sur le plateau déjà ou qui ont vocation à y déménager dans les prochaines années.